Parc des Princes, 3 ans et demi après leur dernière apparition. Les envahisseurs des années 70, ces petits hommes verts qui marchaient victorieusement sur tous les terrains de France et même d'Europe. L'AS Saint-Etienne est donc de retour à Paris pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Du côté parisien, on rêve de conquête ou plutôt de reconquête. Le nouveau président délégué du PSG, Laurent Perpère, à droite de l'écran, espère que son équipe sera européenne cette année et pourquoi pas championne de France d'ici l'an 2000. L'enjeu du match pour ces deux équipes est donc beaucoup plus important que cette simple qualification. Les premières occasions sont parisiennes, Jérôme Leroy centre pour Adelton, mais le ballon passe au-dessus des buts d'Alonso. Paris domine et Simone se multiplie sur son côté droit. Nouveau centre en retrait pour Okocha. Le Nigérian frappe en force, encore à côté. Saint-Etienne, pourtant deuxième de deuxième division, s'accroche tout comme ses supporters. Ils sont à peu près 10 000 à encourager leur équipe. Ces joueurs qui sortent enfin de leur moitié de terrain. Les Stéphanois prennent confiance et sur cet exploit de Mamoun et ce centre, Revel est tout prêt de reprendre ce ballon. L'entraîneur parisien Arthur Georges n'est pas vraiment rassuré. Trois joueurs de son équipe sont manquants. Les deux nouveaux Gravelaine et Rodriguez et surtout le russe Yanovski, suspendu. La seule recrue présente ce soir, c'est Mickaël Madar, transféré d'Everton. Et le nouvel attaquant du PSG est à la réception de ce centre de Leroy. Mais le ballon est renvoyé par le poteau. Madar pèse sur la défense stéphanoise, mais à la pause, le score est de 0 à 0. Les Parisiens ne sont pas victimes d'hallucinations. Ils sont bien tenus en échec par les Verts. Les Stéphanois sont en bonne condition physique, ils reviennent d'un stage en Tunisie. Alors ils abordent cette deuxième période avec enthousiasme et générosité. Leur nouvelle recrue, l'ancien bordelais Marc Zanotti, n'hésite pas, ici même, à prendre sa chance. Sans plus de réussite. Paris riposte sur ce coup de pied arrêté, frappe de Rabé Sandratana à côté. Les tenants du titre de cette Coupe de la Ligue se montrent plus entreprenants à l'image d'Algerino, déséquilibré dans la surface de réparation, mais l'arbitre, M. Coué, ne siffle pas pénalty, alors que la faute est indiscutable. Conséquence ou pas, quelques minutes plus tard, Jérôme Leroy sert Madar, et c'est l'ouverture du score. Paris mène enfin 1-0. Mais au ralenti, on s'aperçoit que le Parisien est en position de hors-jeu. Le but n'aurait pas dû être validé. À l'origine de cette passe décisive, Jérôme Leroy, peut-être le meilleur joueur du match ce soir. Mené au score, Nouzaret fait rentrer son joker Adrien Ponsard, auteur de 6 buts en championnat. Malgré ce changement, les Parisiens sont toujours les plus dangereux. Sur ce coup franc, Okocha s'y reprend à deux fois, mais le gardien stéphanois n'est pas inquiété. Auparavant, l'italien Marco Simone s'est blessé en se tordant la cheville. Le capitaine parisien aura été l'un des grands animateurs de ce match. Il souffre d'une entorse à la cheville gauche. Simone passera des examens médicaux dès ce dimanche. Dans les dernières secondes, Saint-Etienne obtient une dernière chance d'égaliser. Frappe de Metomo, c'est manqué. Les Verts s'inclinent sans démériter 1 à 0. On les retrouvera peut-être dans ce même Parc des Princes la saison prochaine, mais cette fois-ci en première division. Ses supporters sont rassurés et leur président Alain Bompard peut venir les saluer. Ces joueurs ne sont pas des extraterrestres, contrairement à ses supporters venus d'ailleurs. Voilà. Et un Ponsard des...